Le jeune attaquant malien, Cheikh Fantamadi Diarra, sera une fois de plus à la pointe de l'attaque du Stade Rennais, 10e, à l'heure d'accueillir le leader, le Paris Saint-Germain. Beaucoup de changements pour le PSG. Zoumana Camara, Vanderville, Chantôme, Menez, Gamero, tous titulaires. Lavezzi, Pastore, Lucas ou encore Jallet sont tous sur le banc en vue du match retour de Ligue des Champions à Barcelone. Mais le Paris Saint-Germain est concentré sur ce match de championnat pour se rapprocher un petit peu plus du titre national. David Beckham débute lui aussi sur le banc. La première opportunité est rennaise. Avec ce ballon sur le côté pour Diarra. La reprise depuis trois pas. C'est manqué. Deuxième chance pour Sadio Diallo. Et le Guinéen sollicite Salvatore Sirigu. La parade du gardien italien pour permettre au PSG de ne pas être mené très tôt dans ce match. Le Paris Saint-Germain privé d'Alex, Thiago Silva et Thiago Motta, tous légèrement blessés. Les Parisiens qui attendent un petit moment vont se procurer une première occasion. Occasion offerte par John Boy, le défenseur ghanéen qui reprend ce ballon. Et c'est juste à côté de son propre but. Mais les Rennais se procurent quelques occasions intéressantes à l'image de celle-ci. C'est juste à côté du but. Jonathan Pitroipa encore lui, l'international burkinabé, ne trouve pas le cadre. La dernière action avant la mi-temps. Pas de but à la pause. Les Rennais ont besoin d'un succès. Ils restent sur 6 matchs sans victoire. 2 nuls et 4 défaites. L'occasion est belle dans un stade plein. Le Paris Saint-Germain, lui, a repris sa marche en avant. 2 victoires et 1 nul sur les 3 derniers matchs. Mais un seul but marqué sur la pelouse de Rennes sur les 6 dernières visites en Bretagne. En seconde période, le PSG veut enfin accélérer. Face à des Rennais privés de plusieurs joueurs, Théophile Catherine et Alessandrini sont les plus importants. On s'approche de l'heure de jeu. Menez qui effectue une superbe percée. Il dribble tout le monde. 5 joueurs effacés. Menez pour la frappe. Et c'est au fond des filets. L'ouverture du score à la 56e minute pour le 3e but de la saison de Jérémy Menez. But exceptionnel. Une performance individuelle de choix pour permettre au PSG de mener 1-0. Un pari enfin réaliste contre un Stade Rennais qui lui ne l'a pas été malgré quelques bonnes opportunités. Nouvelle accélération de Vanderville. Ce ballon vers Ibrahimovic. Deuxième chance, la défense rennaise qui parvient à se dégager très difficilement. Kevin Gamero était dans le coup également. Le PSG qui insiste pour marquer le but du break. Mais le Stade Rennais résiste et n'est toujours qu'à un seul but de l'égalisation et d'un bon nul. Le coup franc de Ferret sauvé par Sirigu. Et encore une possibilité sur ce centre. La sortie de Sirigu, le ballon n'est pas capté. Panique devant le but parisien. Et la reprise au-dessus. Un ballon dévié de justesse. Les Bretons ont toujours une possibilité de revenir dans ce match. Ils se battent jusqu'au bout. Et le PSG a encore quelques contre-attaques. 93e minute. Pastore qui est entré sur le terrain. Beckham lui aussi. Et c'est Ibrahimovic qui conclut l'action. La première passe décisive de David Beckham dans le championnat de France de Ligue 1 et le 26e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat, Zlatan Ibrahimovic. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 à l'extérieur et qui est plus que jamais leader de Ligue 1. C'est dur pour le Stade Rennais qui ne parvient plus à gagner, qui jouera une grande partie de sa saison à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue contre Saint-Étienne.